L'heure était à l'élimination pour Julia Morganti. Dans l'épisode du mercredi 20 janvier des Princes et Princesses de l'Amour, la jeune femme a en effet dû faire un choix pour la suite de son aventure. Nance ou Jonathan? La nouvelle princesse du programme de W9 avait à ses côtés deux garçons totalement différents. Difficile donc pour elle de choisir, d'autant plus qu'elle avait eu un véritable coup de cœur pour Jonathan. Seulement voilà, après avoir appris qu'il était au départ venu dans la villa pour Kellyn, Julia a eu de gros doutes. Alors, qui a-t-elle finalement éliminé? Eh bien les deux prétendants. À la surprise générale, la jeune femme de 25 ans a en effet décidé de se séparer des deux garçons. Pour le premier, elle a évoqué une relation plus amicale. On n'a pas de regrets à avoir, il est autant d'accord que moi. Je lui souhaite vraiment plein de bonnes choses parce que si est une belle personne, a-t-elle confié face caméra. Julia se sépare de ses deux prétendants pour Jonathan, c'était une autre affaire. En raison de son coup de cœur, Julia a eu plus de mal à lui dire au revoir. En effet, elle lui a au départ laissé une lettre indiquant « Attends-moi, je dois te parler ». S'il pensait rester dans l'aventure, Jonathan a donc eu la surprise de voir aussi Julia débarquer dans le van. Malgré son attirance, elle n'a pas réussi à oublier le fait que son prétendant avait des vues sur l'ex de Bastien Grimal. Sache que ce n'est pas du tout un choix du cœur, si est-il le choix de la raison. Tu étais clairement le crush que j'attendais ici et je sais que tu es quelqu'un de très bien. J'ai apprécié chaque moment qu'on a passé ensemble, mais j'aurais préféré que tu viennes pour moi. Lui a avoué Julia. Si est-il dommage, je suis déçu parce que si est-il une fille avec laquelle j'avais accroché, a-t-il conclu.